on est où aujourd'hui? Alors on est à la Sainte-Baume. Ouais. On est venu voir les rapaces. Super. Alors pour être plus précis, à côté, juste à côté de, du parking de Hockey Chorale. Ouais. Voilà. Et puis ben, on vient d'avoir une visite guidée là, à l'instant. Tout à fait. Et on a appris pas mal de choses très intéressantes. On est loin de s'imaginer que c'est aussi compliqué. Oui, c'est vrai. Et là, on est rentré dans l'arène où ils font des petits spectacles avec les rapaces. Et regardez sur le mur, ils ont mis les oiseaux avec la taille des envergures avec les ailes. C'est la taille de l'oiseau quand il déploie ses ailes. Comme ça, tu me dis. Ah ouais. Oui. Ça rend bien avec. Le condor des Andes. 2,60 m. Jusqu'à 3,20 m. Ah ouais, quand même. C'est pas rien. Allez, on continue notre visite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, ils ont pris quelques rapaces pour faire un show à Hockey Chorale qui est par ici, là. Alors là, on arrive vers la buse à queue rousse. C'est juste là. Regardez-moi ça. Magnifique. La buse à queue rousse, juste là. Magnifique. Alors là, il y a une poussette et on nous a dit qu'ils l'ont mise ici. C'était quand la buse, elle est peureuse. Ils mettent ça pour qu'elle prenne confiance. Je crois que c'est plus la buse rouilleuse. Regardez, la buse rouilleuse qui est là. Regardez-moi ça. Allez, je fais un petit zoom. Waouh. C'est magnifique. Alors là, on arrive sur la buse de Harris. Alors celui-là, c'est un mâle. Là, c'est une femelle. Et juste à côté, c'est encore un mâle. La femelle qui est juste là, en plein milieu, et de chaque côté.
Là, il y a un mâle, et sur la droite, il y a un mâle. La chouette effraie des clochers. Juste là, les amis. C'est magnifique. Là, on arrive au faucon de l'Agnée, qui est juste là. Il est magnifique. À combien il va en vitesse pure, cet oiseau? Je crois qu'il est de 400 ou 300 km/h. Ouais, c'est 300 et quelques km/h. Vous imaginez, les amis, 300 km/h. Et en fait, c'est du faucon là qui disait que en plein vol, si par exemple il y a un projectile qui lui arrive dans l'œil, pas une saleté, il a son œil qui se ferme, mais ça fait comme un voile transparent. Tout à fait, il a aucune perte de vision. Voilà. Ça lui enlève juste la saleté, là. Tout simplement. Et il voit toujours sa proie correctement. Alors, mon petit préféré, tout est beau, hein. Et c'est celui-là qui est juste à côté. Je trouve qu'il est rigolo, celui-là. Le Caracas supé, les amis. Alors, lui, il est magnifique. Pour lui. Ouais. J'aime bien son bec, cette couleur bleue qu'il a devant. Waouh. Alors, il y a des cages qui sont vides parce qu'ils ont récupéré des oiseaux pour faire le spectacle à Hockey Coral, qui se trouve derrière nous. Alors là, on arrive sur le Grand Duc de Sibérie. Regardez-moi ça. Waouh, c'est magnifique. Et juste là, il y a le Grand Duc d'Europe. Il a à peu près la même taille. Il y en a un autre qui est juste à côté.
Alors là, on arrive dans l'enclos où il y a des chouettes effrayées de clochers. Et il y a 5 petits. Alors là, j'en vois 2 d'ici. Alors, on nous a demandé de ne pas franchir la barrière afin de pouvoir respecter les animaux. C'est des bébés. Et là, c'est des petits. Alors là, il y a la buse de Harris, juste là, mais dans une cage un peu plus grande. Alors là, juste là, les amis, il y a le faucon de Cresserelle. Et là, logiquement, c'est une femelle. Et quand ils sont jeunes, la tête du pelage, il la même avec la tête. Et ça change quand ils deviennent grands. Oui, ils ont la tête bleue comme ça. Ouais, la tête bleue, c'est pour les mâles. Ah, c'est... Ouais, les amis, nous avons un spectateur. Ah, il veut pas se laisser capturer. Oui, c'est pourquoi le chat. Bonjour, toi. Oh, oui, bonjour. Et tu sais, mon ami, que tu es du casse-croûte pour nos chers petits rapaces par ici, là. S'approcher de la cage, il s'est réfugié pour être à l'abri. Un peu rapproché. Bon les amis, nous arrivons à l'enclos où il y a le pigargue à tête blanche. Alors là, il est censé avoir un adulte à tête blanche. Et là, on va aller voir de l'autre côté. Mais il est parti en spectacle. Oui, parce qu'en fin de compte, à côté de cet endroit, il y a le hockey choral. Ils font des représentations avec toutes les rapaces qu'il y a dans cette partie. Alors, et vous voyez, il est juste celui-là. C'est un jeune. Il a 6 mois. Il a juste 6 mois, mais... C'est ça. Mais justement, là où on peut l'adulte, c'est comment on doit se le faire.
chimie au début. Mais déjà t'es adulte. C'est ça, comme la photo. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Et c'est très agréable. Alors la prochaine fois. Ouais. Je t'invite à faire un stage. Ah. Une initiation. Waouh. Voilà. Rien que pour moi ? Rien que pour toi. Waouh. Je crois que je vais me régaler. Un baptême. Ah ouais. Imaginez la chance qu'ils ont de travailler ici. C'est pas du travail de tout repos, hein, mais... En pleine nature, comme ça. Ils permettent à la nature, en fin de compte, de se régénérer en réimplantant des oiseaux qui ont été supprimés en Europe. On peut bien parler de suppression. Et tout doucement, c'est réintroduit. Alors là, je vous montre les statues en bois qu'ils ont fait. Regardez-moi ça. Une belle sculpture. Là, un hibou. Des totems. Celui-là, il est beau avec un serpent là. On vient de rentrer dans la salle de réception où vous achetez vos billets ici. T'as vu ça? Ça, c'est une belle décoration, hein? J'adore. Ben voilà, les amis. Pour vous dire que la vidéo se finit maintenant. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, pardon, je disais. À très bientôt, les amis. Merci encore pour cette découverte magistrale. Mais de rien, mon amour. Ah, ouais. Ouais. Belle découverte. Hein. Belle découverte. Pas loin, juste à côté du parc au Quai Coral. Là. Descendez un peu plus bas et vous avez la Fauconnerie. Voilà, pas loin de Aubagne. Ouais. Allez, sur ce, on vous dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. Surtout. Voilà. Abonnez-vous, des commentaires, des pouces en l'air. Bye bye les gens. Bye bye.